Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux robots tondeuses Bosch. Donc, si vous hésitez parmi les différents modèles de la marque Bosch, cette vidéo est pour vous car je vais vous présenter tout simplement le top 3 de leurs meilleurs robots tondeuses. Avant de démarrer ce top 3, sachez que tous les liens vers les modèles présentés dans la vidéo seront en description de la vidéo. Le premier robot tondeuse de la marque Bosch de ce top 3 est le Bosch Indigo M700. Donc ce robot tondeuse qui est doté de nombreuses fonctionnalités avancées est une solution pratique et efficace pour bâtir votre jardin impeccable tout au long de l'année. Pour commencer, ce robot tondeuse est équipé d'un système de navigation intelligent appelé Logicut qui cartographie votre pelouse et optimise les trajets pour une tonte efficace. Ce robot tondeuse utilise donc des capteurs qui va lui permettre d'éviter les obstacles et il va donc s'adapter aux différentes formes du jardin, aux différentes formes du jardin. Il a une capacité de coupe qui va jusqu'à 700 mètres carrés. Donc c'est un robot tondeuse qui est idéal pour les petits à moyens jardins. Il est alimenté par une batterie lithium qui lui offre une autonomie de fonctionnement pouvant atteindre les 75 minutes. De plus, ce robot tondeuse est équipé d'un capteur de pluie qui lui permet de retourner automatiquement à sa station de charge en cas de mauvais temps. Ce robot tondeuse est doté de nombreuses fonctionnalités. Par exemple, vous allez pouvoir facilement programmer ses horaires de tonte selon vos préférences à l'aide de l'interface conviviale. Il peut également gérer les pentes jusqu'à 27% et il est capable de tondre dans des conditions de terrain difficiles. Grâce à sa technologie mulching, ce robot tondeuse hache finement l'herbe coupée et la redistribue sur le sol, ce qui nourrit votre pelouse et lui donne un aspect plus sain. De plus, ce robot tondeuse fonctionne de manière silencieuse, ce qui vous permet de profiter pleinement de votre jardin sans être dérangé par le bruit. Donc c'est un robot tondeuse qui présente de nombreuses qualités, de nombreux avantages. Par exemple, il est donc équipé de technologies de navigation intelligente, assurant ainsi une tonte uniforme et sans trace sur l'ensemble de votre jardin. Son système de coupe précis vous garantit une hauteur de coupe uniforme et régulière. Et en plus, c'est un robot tondeuse qui est facile à installer et à entretenir. Le point négatif de ce robot tondeuse, je dirais, est la difficulté qu'il peut rencontrer en cas de terrain très complexe ou avec de nombreux obstacles. Il est donc recommandé par exemple d'enlever les meubles de votre jardin, les jouets qui traînent sur le jardin ou ce genre de choses avant le passage du robot afin de lui faciliter le travail. En bref, ce robot tondeuse Bosch Indigo M700 est une solution pratique et efficace pour entretenir votre pelouse sans effort et grâce à ces technologies avancées, vous obtiendrez une belle pelouse. Et vous pourrez ainsi en profiter tranquillement. Deuxième robot tondeuse de ce top 3, il s'agit du Bosch Indigo S+500. Donc c'est un robot tondeuse intelligent et efficace qui se distingue par ses nombreuses caractéristiques et fonctionnalités avancées. Par exemple, il est équipé du système Logicut qui lui permet de tondre efficacement en ligne parallèle, libérant ainsi votre pelouse plus rapidement. Non seulement cela maintient votre pelouse en bonne santé et belle, mais ça vous permet également d'économiser plus d'énergie à chaque passage et de préserver la batterie. Logicut définit une direction de tonte différente pour chaque session de tonte afin d'éviter de laisser des traces permanentes sur votre pelouse. Et en fait, avec ce système Logicut, ce robot tondeuse sait déjà où il est allé et il sait où il doit encore aller. Ce robot tondeuse est également équipé de la fonction Smart Mowing qui va vous permettre de créer un programme de tonte basé sur la taille de votre pelouse, les données météorologiques et vos préférences personnelles. Ce robot tondeuse peut tondre jusqu'à 3 zones de pelouse si leur taille combinée ne dépasse pas les 500 mètres carrés. Ce robot tondeuse est alimenté par une batterie de 18 volts. Il a un temps de charge de la batterie de 60 minutes et un temps de fonctionnement de 60 minutes. Il est recommandé, comme je l'ai dit, pour une pelouse allant jusqu'à 500 mètres carrés. Ce robot tondeuse permet une largeur de coupe de 19 cm et une hauteur de coupe réglable de 30 à 50 mm. Il se déplace à une vitesse de 40 cm par seconde et peut gérer des pentes allant jusqu'à 27%. Enfin, sachez que ce robot tondeuse est livré avec une station d'accueil, des vis de station d'accueil avec une clé hexagonale, un connecteur de fil, un fil périphérique de 150 mètres, 200 piquets de fixation, un bloc d'alimentation et le carton qui contient l'ensemble des pièces mentionnées. Passons maintenant au troisième robot tondeuse Bosch de ce top 3. Dès que la batterie de ce robot tondeuse sera chargée, il sera prêt à tondre et clairement rien ne peut se mettre en travers de son chemin. Il est équipé d'un capteur qui lui permet d'éviter les obstacles. Il embarque en plus l'une des fonctions de navigation les plus intelligentes jamais conçues jusqu'à ce jour. Elle est baptisée Logicut et cet ingénieux système calcule l'itinéraire de tonte parfait avant d'indiquer au robot l'endroit exact où il doit tondre. Comme les trajets de tonte sont différents à chaque sortie, cette tondeuse connectée ne laisse aucune trace.
si ce n'est une belle pelouse. Ce robot tondeuse est, comme le premier modèle, gérable à distance via une application directement sur votre smartphone. Et avec ce robot tondeuse Bosch, il n'y a pas besoin de collecter l'herbe, car le système mulching à trois lames pivotantes répartit la verdure fraîchement coupée sur le sol afin de le fertiliser. Ce robot tondeuse a une autonomie de 45 minutes et un temps de charge de 45 minutes. En bref, c'est un robot tondeuse connecté de la marque Bosch, à la fois autonome et intelligent, qui va vous aider à avoir une belle pelouse taillée au millimètre près. Et dernière information importante, la surface de tonte de ce robot tondeuse est de 350 mètres carrés. Je vous rappelle que tous les liens vers les modèles présentés dans cette vidéo sont en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, donnez un like à la vidéo, abonnez-vous et j'espère vous voir dans de prochaines vidéos.